Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour mon troisième épisode de Pokémon version rouge feu. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et on va tout de suite continuer notre aventure, là on l'avait arrêté. Donc on avait traversé la forêt de Jade. On était arrivé à Argenta. Je ne suis jamais allé au musée des sciences d'Argenta. Je m'étais paumé. Et maintenant, on est devant Pierre. Et donc, on va s'occuper de Pierre pour cet épisode. Vous êtes prêts? C'est parti. Je suis Pierre, je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont de type proche. Tu veux toujours te battre avec moi, même en sachant que tu vas perdre? Très bien, en garde. C'est toi qui vas perdre. Il m'envoie un Rakaillou. Niveau 12, j'ai mon carapuce. Niveau 12. Écume. One shot. Je l'avais prévenu. Et il apprend pistolet à eau. Tout cool. Je lui fais oublier Mimikyu. Donc c'est une attaque qui est totalement inutile. Pokémon de type eau qui utilise surtout des attaques de type des attaques spéciales et non des attaques physiques. Niveau 14, pistolet à eau. Il est faible. Moi qui croyais qu'il allait durer un peu plus longtemps ce combat. Mon carapuce a perdu seulement 4 PV. Purée, il était vraiment nul. Ça va, je fais de la ligue. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Et je gagne 1400 Pokémon. Attends, prends ça avec toi. Donc, Dexter te met la cité 39 dans boîte CT. Une CT, capsule technique, contient une attaque à enseigner à un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois, alors choisis bien le Pokémon à qui la donner. La CT 39 contient Tomb Rush. Avec cette capacité, ton Pokémon lancera des rochers sur son ennemi pour baisser sa vitesse. Voilà. Hop. Et donc, on va sortir. On va aller au centre Pokémon et on va aller voir le musée. Ah si, j'étais allé au musée des sciences, je suis idiot. Et je suis pas rentré d'ailleurs. Je voulais pas dépenser des Poké Dollars là-dedans. Bon, tac. Je file au centre Pokémon. Histoire de... Hop. Comme ça, j'ai en plus Chrysacier qui est en pleine santé. Et on va y aller. Hop. Pokéweb. Ouais. Excusez-moi. Est-ce qu'il est assez tôt, l'heure où je tourne? À l'heure où je tourne. Bon, allez. Je sais que je fais un peu de speed. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Je dois traverser le mont Sélénite. Cool. Récupérons de quoi tenir. Acheter. Et j'ai combien de Pokéball? J'en ai 9 et bah je vais m'acheter 10 Pokéballs. Puis comme
ça c'est bon. J'espère juste ne pas tomber contre des Pokémon un peu trop puissants pour mon Pokémon à moi. Oh, Dexart, content de te voir. Je suis l'assistant du professeur Shen. On m'a demandé de te donner ça, alors voilà. Et j'ai les chaussures de sport. Ok. Venons pour courir, j'appuie sur B, mais seulement où tu as la place pour ça. Bon, je dois retourner au labo. Au revoir. Il y a un mot avec Dexart. Voilà une paire de petits bouchons. Bon courage, ta maman. Ok. Donc c'est la mère qui nous l'a donné. Purée, mais il y en a tellement. Tu veux ma photo? Bah tiens, foire. Toi qui veux voir la mienne. Ça continue comme ça. Bon, et un recul contre mon recul. Recul charge. Qu'est-ce qu'il compte faire avec cette attaque? Ça, c'est une vraie attaque quand tu l'utilises correctement. Bim. Tu m'as énervé. Et voilà mon recul niveau 11. Et elle me rebalance en recul. C'est quoi ça encore? Une piafologiste. Tornade. One shot. Puis j'ai sorti pile le bon coup critique au bon moment. La blague de merde. Mais si tu veux éviter la bastille. Ok. Ok, donc on peut pas courir dans les centres Pokémon. Ça c'est bidon. Mais bon, c'est vrai qu'aussi dans Ruby, Saphir et Emeraude, c'était pas possible non plus. C'était pas possible non plus, donc. Hey, on s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Et il a des putains d'aspicots d'enfoirés. Donc je vais lui foutre des tornades dans sa dingue. Allez. Excusez-moi pour ça. Faut que je vérifie un truc. Hop, tornade. Dégage l'aspico. Tu vas pas me faire chier longtemps. L'enfoiré. Quel est Tornel? Voilà. Et il apprend l'attaque. Cool. Centre Pokémon réussi. Donc maintenant on court
dresseurs suivants. Je pense qu'il faut que je me tabasse tous les dresseurs de la route. De toute manière, ça va me permettre d'XP mes Pokémon, donc je vais pas plaindre. Ratata. Terminé. Un Nidoran. Une Nidoran. Ça va faire un peu mal. Ok, c'est bon. Toc, tornade, et c'est fini. Quoi? Bah mince. Non, c'est pas ça. Non, je vais devoir faire Pokémon. Trop cool. Non. Résumé. Déjà, il a une putain d'attaque, une putain de vitesse, donc ok. Eternal, une attaque. Ok, donc en fait, ils ont pas encore mis le principe. Là-dedans, il n'y a pas le principe d'attaque spéciale et d'attaque norme. Et d'attaque physique. Cool. Ou alors, c'est pas indiqué sur les attaques. Bon, c'est pas grave, au revoir le Nidoran. Putain. Hop, je vais me taper celui-là. Il a dit qu'il adorait les shorts. Clin d'œil à la série dans la génération 3 pour Pokémon Advent. Là, c'est Yann, je crois, qui fait partie du club des shorts. Non, des Bermudas. Mince. Hop, niveau 14. Je change de Pokémon, j'envoie Carapuce. Je pense que le fait de Crisacier, je vais pas le monter, je vais le mettre dans le PC et puis je vais aller m'en capturer d'autres. Je vais capturer d'autres Pokémon. Crisacier me sera inutile. Écume. Charge. Et je suis prêt pour le licotage. Non mais c'est pas possible. Ah, pourquoi j'ai fait charge. Là j'ai toutes mes chances de faire. En tout cas de prendre très cher. Allez, réussir à balancer écume. Super, j'ai gagné. Ça s'appelle de la chance. Une putain de chance. Hop, Pokémon. Non, je fais sac. Potion, utiliser Carapuce. Putain, c'est trop beau ces animations. C'est trop beau. Bien sûr, comparé aux animations qu'on a maintenant, ça vaut rien, mais. Comparé aux animations qu'on n'avait pas dans et qu'on n'a pas dans Ruby Sapphire et Emerald, ça va.
Il est en putain d'enfoiré d'Aspio. Allez, non, 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 pas. Cool. Ok, plus d'Aspico. En Aspico, moi. Espérons que n'y ait pas d'autres. Hop. Je change pas de Pokémon. Un chenipan. Hop, chenipan, au revoir. Carapuce, pompe niveau 15. Un cocon fort, je garde mon carapuce. Normalement, c'est bon. Écu. Écume. Ça change rien avec ton armure, ça va pas réduire tes dégâts que tu prends avec écume. Hop, coup critique. Coup très fort. Crise d'acier, c'est pareil. Je garde carapuce, ça va aller vite. Écume. Pistolet à eau. Et normalement c'est fini. Qu'est-ce que je disais? Il y a 38 points d'expérience, je suis niveau 15. Ok, et Carapuce n'est pas encore monté niveau. Donc il évolue niveau 16. Centre Pokémon. Comme ça, Chouane Roucoul et Chouane Carapuce, je peux déposer Trisacier dans le PC et puis je suis tranquille. Déplacer. Ah purée, les boîtes c'est comme dans Ruby Saphir. Toc. Donc je fais évoluer Carapuce, comme ça je suis tranquille. Bien sûr je le ferai évoluer en me battant contre des dresseurs parce que c'est bon là, pas la peine de se taper des Pokémon sauvages maintenant. Pas la peine de les farmer. Ouais, en fait c'est le club des shorts. Allez quand même. Oh ça va. Il est pas trop puissant non plus. Ouais c'est bon, je dois être. Ça va, j'ai gagné. Ah putain non mais il m'a fait peur avec son petit cave niveau 14 non. Quand même niveau 14 son cafabec, il l'a à cet endroit là, alors avant je peux taper que des niveaux 11 maximum. Là je sens que j'ai failli prendre très cher. Si j'avais envoyé Roku. Tac. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. Donc lui aussi je l'ai déjà rencontré. Ok. Scout James. Ouais, eux ils sont dans. Ouais, eux c'est ceux de la forêt. Les scouts. Ça par contre c'est cool. Tout le monde disait que les dresseurs ne bougeaient pas, sauf que eux là ils ont bougé. Ils ont quitté la forêt. On les rencontre pour la première fois dans la forêt, là ils ont quitté la forêt. Donc je change de Pokémon, j'en vois au cool.
Mince, j'ai oublié de les soigner, c'est pour ça. Tornade. Et vive attaque. Vive attaque, et puis maintenant, charge. J'ai battu Scout, James. Quoi? Carapuce évolue. Et voilà. Il évolue bien niveau 16. Félicitations, votre carapuce évolue en carabas. Et moi, je file, je vais soigner mes Pokémon, et puis je pense que je vais pouvoir me taper la fin de la route. Comment se taper un détour de malade? Me suivre. Bon, de malade, pas tant que ça. Ça aurait été un détour de malade si j'étais pas, si j'étais parti de l'autre, dans l'autre sens seulement pour... Ça aurait été un détour de malade si j'avais fait tout ça. Pour revenir ici, pour soigner mes Pokémon. Oh purée, ça avance trop vite en accéléré. Quand on court. C'est elle. Voyons voir si elle nous en parle. Tiens, un petit Nidoran mâle. Ça peut me servir. Charge. Putain, une point poison fait chier. J'avais pas prévu ça. Sac. Pokéball utilisé. Nidoran capturé. Et voilà. Bon, je reste sur mon ma lancée à ne pas donner de nom de surnom à mes Pokémon. Maintenant, j'utilise une antidote. Utilisé sur Carabaf. Et tu m'as poussé là. En fait, elle fallait pas lui rentrer dedans. Ronde tout. Ça va, je peux le battre rapide. Non. Allez, Carabaf, attaque. Ah, oh, fait chier. Normal, j'ai pas attaqué, j'ai utilisé que charge. Il fait chier. Carabaf, attaque maintenant. Attaque maintenant, je te défonce. Voilà. Fait chier. Donc je peux plus utiliser pistolet. Oui, bah c'est pas grave, j'ai utilisé écume. Sauf que le temps que je vais avoir, le temps que j'aurai attaque, je serai déjà mort. Le Pokémon sera déjà KO. Comme s'il avait déjà pas assez de mal qu'alors il a quand il est amoureux. En plus, je crois même pas que j'ai de femelles, j'ai que des mâles dans mon équipe. Ouais, c'est ça le pire. J'ai un Nidoran mâle, donc est mâle, comme son nom l'indique.
J'ai un Rukul qui est mâle et un Karabaf qui est mâle. Fait chier. J'ai pas de femelle pour la battre. Faudrait que j'en chope. Faudrait que je retrouve un... je sais pas, un petit Pokémon femelle, n'importe quoi. N'importe quel. Voilà. Putain, ça a été dur. Pied du monde, c'est limite. Ok, donc... toi, tu parles... évite le rien... Ok. Donc, en fait, la fille qui nous parle d'un Pokémon de la 5e génération n'est pas là. Elle a été supprimée. Parce que oui, dans les premières versions du jeu, donc rouge et bleu américaine, les versions américaines, il y a une fille qui nous parle d'un Pokémon rose avec des fleurs sur le dos, avec des motifs en fleurs. Et ça peut nous faire penser à Muna, qui est un Pokémon de la 5e génération. Et qui est aussi le seul Pokémon qui répond à cette description, donc... c'est quoi ces stats? Mais ça va, il a des bons stats pour un niveau 6. Quoi? C'est quoi ce Pokémon? Il est bugué ou quoi? Un Nidoran qui a pic-pic. Mais il fait bec, en plus c'est une femelle, donc il pourrait être capturé. Putain, mais il fait chier. On va te faire foutre, pierre fabec de merde. Attaquer un petit peu, va faire une petite attaque charge. Il a des gros yeux et des rugissements. Ça va vraiment être chiant. Y'a aucune action, y'a que moi qui attaque. T'es en train de me narguer ce piaf à bec. Allez, coup critique. Chier. Piaf à bec, tu arrêtes de me faire chier. Il n'ira pas plus bas. Première attaque. Et je peux le capturer. Non. Je vais le vaincre comme ça. Nidoran montera de niveau. En tout cas, il gagnera assez d'expérience. Merde, niveau 7. C'est déjà bien. Mince. C'est ce qui s'était passé. Ok, ça va, j'ai encore 22 PP sur Pic-Pic, donc ça suffit. Oh non, encore un piaf à bec. Putain, j'en ai marre de piaf à bec. Et bien sûr, mon pont poison ne fonctionne pas. C'est quoi ce qu'il fait avec niveau 6? Putain, il est overcraqué. C'était
quoi cette puissance? Top, Piaf avec attrapé. J'ai un petit Piaf avec niveau 6. Donc, je reviens. Hop, je retourne dans notre Pokémon. Et je pense que on va se laisser là. Troisième épisode. Je soigne mes Pokémon. Et puis, on se retrouvera pour le quatrième. Normalement demain. Et je, entre temps, je vais farmer et je vais XP un peu mes Pokémon. Pour qu'on ait au moins des Pokémon tous au moins niveau 10. Ou super. Donc je vais faire monter Nidoran, Piafabec. Je vais éviter de faire monter Roucoups parce que je ne sais plus à quel niveau il évolue en Roucoups. Donc j'aimerais bien vous le faire toutes les évolutions avec vous. Mais hop, je mets Piafabec devant. Comme ça, je XP pas vite. Piafabec qui est maintenant plus faible. Attends, j'y arrive pas à faire ordre. Toc. Comme ça, c'est ok. Allez. Hop. Et moi, je vous dis à très bien, à très vite pour mon quatrième épisode de Pokémon version rouge feu. Allez, ciao.